aujourd'hui. Petite étape de 198 km, donc on diminue par rapport aux deux autres jours. Mais une étape qui commence à être un petit peu dans la montagne, puisqu'on va aller monter la Croix Saint-Robert. Et puis, quand on regarde le parcours final, on s'aperçoit que ça monte de plus en plus. Et c'est super baisse, c'est une petite montée, mais je pense que demain, on risque d'avoir quelques dégâts au niveau des concurrents d'aujourd'hui. Et je pense qu'on n'aura pas tout le monde à l'arrivée en même temps. Et les grimpeurs vont peut-être commencer à sortir un petit peu du peloton, parce que ça commence vraiment pour eux aujourd'hui. Donc je pense que des Contadors, des Frank Schleck, Andy Schleck, Evans, on va voir où ils se situent, à quel niveau ils sont au niveau de leur forme, et ça fera pas de cadeau, je crois pas.